Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment fabriquer ceci, donc qui est un portail du Nether. Donc il vous faudra de l'obsidienne et un briquet à silex. Donc on place 4 horizontalement et 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, verticalement. Hop. Donc cette première, enfin je vais vous montrer deux façons de le faire. Après on allume avec le silex. Et on va dans le Nether. Je fais une petite visite tranquillement. Donc on trouve plein de choses. C'est un peu l'enfer là. Enfin, pas le bazar mais l'enfer quoi. La vraie enfer. Donc voilà, c'était la première façon très facile de construire ce portail. Donc pour la deuxième, il n'y aura pas besoin de blocs d'obsidienne, mais d'un briquet, des blocs d'autres, de toutes sortes, ce que vous voulez. Un seau de lave, un seau d'eau et un seau. Donc pour commencer, on va faire tout ça comme ça. On va entourer de 4 sur 5. 5 verticales. Désolé, je parle pas beaucoup et je suis d'autant. Voilà. Hop, on descend tranquillement. On met de la lave. De la lave, après de l'eau, hop. De la lave, après de l'eau, etc, etc, hop, très facile, pour le moment. Donc voilà, ensuite, bah c'est très régulier comme truc, donc vous faites ça toujours. Donc pour faire le bas, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5, il en faut 4 horizontalement, donc 5 pour entourer tout. Je vais pas mettre du vrai obsidien. Donc on met de la lave et on met de l'eau qu'on va ramasser par la suite. Nickel. Donc après nickel. Donc voilà, hop, on ramasse tout ça. Donc désolé pour cette... Enfin, comment je n'ai pas parlé là. Voilà, nickel. Donc on va faire pareil. Mais... pour le plafond, on va dire plafond, ouais. On va dire ce que vous voulez.
suis pas raté, vous inquiétez pas. Hop, donc c'est très régulier comme je vous le disais tout à l'heure. On met 2 de lave et ensuite 1 d'eau et ça fait 2 l'obsidienne, nickel. Hop, je vais vous montrer le résultat, c'est tout à fait pareil que les autres mais sans utiliser d'obsidienne, donc ce qui est complètement pratique à faire en survie. Donc voilà, après vous allumez avec le briquet, nickel, et regardez, c'est tout à fait pareil, ça marche même très très bien. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tuto, comment faire un portail d'une lézard de deux façons, avec et sans obsidienne. Donc voilà, salut, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !